Bonjour, mon gars de Chanel là, je dis à nous finir encore pour nous présenter une autre vidéo. Dans la vidéo passée, nous avons montré comment capable insérer images, comment capable insérer objets, comment capable cadrer une image en forme, même genre, avec un défait avec une image qui était faite, nous avons inséré dans l'étoile dans plusieurs formes. Mais je dis à nous montrer comment capable positionner une image dans feuille là, comment capable redimensionner, faire le plus petit, faire le plus gros. Si vous vous abonnez, n'a pas de faire ça, qu'on y a et activer la notification pour rater d'autres vidéos qui viennent pour venir. Et pour commencer, on va aller très rapide. On va finir sur une image. Wood, bro, on peut l'autre sur comment manipuler l'image ça. Il va même avec un programme professionnel tant que Corel Draw qui est responsable ça même tant que Photoshop. Mais les bons outils nécessaires pour pouvoir travailler avec l'image que vous avez besoin. Ok. Avant même, nous avons l'autre image que nous voulons insérer pour. Il y a une image qui va demander des retouches même. Ouais. On clique sur insertion. On clique sur image. On va aller chercher une image que nous avons là qui demande des retouches. Alors, on va se faire dans la net. On va se garder les. Enfin, ok. Même moi, pas ouais, image ça, ça là dans la main. Ou après, là, après. Ok. Premier, ça qui est important, l'offre insérer image. Ok, image ça peut être parfait, bien. Mais il y a une image tout qui pas vraiment dans ce sens comme ça, qui n'est pas trop gros. Il vient qu'il y ait un espace vide dans le document pour là, qui ou même où tu as besoin de retirer. Normalement, ça qui est important pour faire cet avant, réduire taille là. Il y a plusieurs façons de réduire taille là. Mais première façon, c'est que lorsqu'on insère un objet ou bien n'importe quelle image, Word fait le venir pour ensemble avec 8 points dans bordure là. 8 points ça c'est dans 8 points ça capable de redimensionner, faire le paraître plus gros, faire le paraître plus petit tout. Comme ça tout, ou capable aller dans le groupe qui est les tailles dans l'onglet format. Parce que normalement, on toujours dit ça, chaque objet qui est inséré vient ensemble avec un onglet contextuel. Et onglet contextuel pour image là, même les formats, les bords, tout ça gagne à prendre ensemble avec image là. On va concentrer sur groupe organisé aujourd'hui ensemble avec taille pour être capable de faire ça, on a besoin de faire ensemble avec image ça. Pour capable redimensionner image ça, faire pas être plus petit ou bien faire pas être plus gros, on va utiliser extrémité ça. Premièrement, on dit dans le point ça, il est toujours plus bon que ou réduire dans 4 points pour parce que les réduire dans 4 points, image là toujours qu'un peu proportionnalité. Par exemple, on gambe là réduit comme ça. Après, ni hauteur ni largeur, tous les deux qu'un bien ensemble, les gérer pour moi automatique comme ça. Cependant, si m'a laissé pour image là, faire ça, après l'écraser image là, son bagage que on pas connaît où t'as appelé ça. L'important que l'important que leur après cadre image que recadrer dans quatre extrémités ça. Ok, là, je sens que l'image est bon là. Ma voile redimensionner un lot. Par exemple, ça, je pourrais voulu que je choisisse une taille spécifique pour les que j'ai besoin que l'image s'apparaisse 3 pouces de largeur. Une fois mal là, ça c'est hauteur là, ça c'est largeur là. Après, les gains, j'en parais. Je vais juste définir la taille que j'ai besoin là, ce qui c'est 3. Je vais faire Enter. Automatiquement, la pelle paraît proportionnellement. La bombe l'autre hauteur qui est proportionnelle à 3 pouces que je choisis pour largeur. Voilà, c'est intelligent, pensez. Ok. Une fois au fin, redimensionner l'image, on a besoin de faire rotation ensemble avec elle. Ça veut dire qu'on a besoin d'image d'apparaître et on l'autre forme par rapport à j'en paraître là. Nous allons laisser roter une image. Pour image ça, li pa image ça va en forme normale li. C'est parce que vous voyez une couleur, faut pas qu'elle bien. On va grandir un petit plus, un petit j'ai un plus, me fait paraître plus gros. Mais normalement c'est on soit sans pied bois, oui. Ça c'est à terre, ça c'est pied bois. On va laisser roter le fait paraître dans position qu'il doit paraître normal là pour. Là ça c'est ça son photo mon a fait mais normalement on compte faire photo comme ça déjà mais il paraît être couché. Là ça au besoin faire image ça paraît droite. Vous cliquez dans format dans groupe qui relait
organiser à ou cliquer sur rotate rotation. Là on clique sur rotation, il y a plusieurs options. C'est soit faire pivoter à droite, laisse la voyer. Si me fait j'ai une image ça et là, si me fait pivoter à droite, la voyez, ça que t'as dû paraître en bas, c'est le cas paraître en l'air. Avant de prendre décision, bien que au cas faire et refaire encore, mais pour aller plus rapide, il est toujours important que vous gardez l'image dans quelle position. Si me fait rôter de la vers la droite, ou après, qui j'en apparaît. Bon, mais c'est faire rotation vers la gauche parce que normalement, image moyen, c'est comme ça. Et voilà. L'autre façon de carotter encore, je fais une rotation image ça, je vais utiliser point ça. Avec point ça, je vais choisir pour cliquer, je vais balader, la position qui me plaît. Avec chaque lame virée, les points position, etc. Mais ce qui est important avec ça, c'est si je pèse les chiffres, une fois que je pèse les chiffres, pendant même sous les lap, une distance égale pour moi. Par exemple, la pour chaque 15, si je fais ça, chiffre. Les points chaque 15 comme ça jusqu'à 0 degré et comme ça en tout cas on va quitter là comme ça image moyen l'IOT regardez j'ai le poster mais normalement on voulait le quitter et le droit comme ça mais nous avons l'autre image encore si on a regardé qui gagne une petite déformation là-dedans image ça nous avons un tag qui nous va t'appeler faire paraître là-dedans donc à vous ce tag ça. Nous pouvons faire ça avec les crop encore. Nous avons fait crop première fois, sans façon pour nous être capable de prendre l'image là, rentrer là-dedans en forme. Là, nous avons fait rogner à la forme. Là, nous avons fait rogner à la forme. Nous avons pris l'image ça, nous rentrer là-dedans en forme. Mais quand nous avons pas prendre une image pour nous être capable de retirer une partie que nous n'avons pas là-dedans. Pour nous faire ça, nous cliquons sur l'image là avant tout. Lorsque nous cliquons sur l'image là, nous allons aller dans le groupe. Dans l'onglet format qui c'est l'onglet contextuel qui pour image là et puis nous allons dans rogner nous juste cliquer sur le bouton exactement avant nous cliquer sur forme non direct sur flèche là pour forme non mais quand on a cliqué sur icône non directement là on clique sur icône non on prend le nombre dimensionnel en chaque point où j'en besoin comme ça on prend si j'en veux plus comme ça. Bah, on fait si vu j'en pavle trop bagaille noir, trop petit noir apparaître là-dedans, on fait réduire jusque là comme ça. On va remarquer très ça qui pas non pas besoin et était. Avec toute sorte qui paraît pif palio, c'est que il pas paraître. Et là fini juste cliquer dehors, image m'en recadrer. Mais si on retourne cliquer sur image ça encore. On cliquer dans rogner, on gagne accès rejoindre même gens qu'elle était là. Comme fini, on clique dehors. Et puis, image me pas normal. Quand on a fini de faire tout ça, on dégaine pour me faire avec image là. Quand on a ça qui était, c'est pour d'avoir positionné image ça en texte là. Parce que, regardez là, quoi que ce soit vite qui était, on a toujours envie d'utiliser. Il faut nous capable positionner image là. Pour nous positionner image là, nous cliquons sur image là. Malin dans format, malin dans groupe organisé, vous voulez que position. Le moulin qui dans position, vous avez accès à 10 options pour y définir. Option par défaut, c'est aligné sur le texte. Ça veut dire les mêmes les même fonctionnalités avec un texte noir. Normal, c'est les mêmes qui par défaut. Une fois que vous insérez n'importe image dans Microsoft Word, l'étoile aligné ensemble avec texte. Vous pouvez choisir vous en haut à gauche. On peut choisir au centre, on peut choisir à droite, comme ça. Et c'est même genre tout, on peut choisir faire ensemble avec même l'autre image ça, on clique sur ça, on clique sur format, on aller dans position, on choisit position qui est bon moins par rapport à l'image que je gagne, comme ça. Et voilà. On va faire avec l'autre toujours. Ça, tout capable de conforme la forme que vous voulez avoir. Et voilà. On va venir à la centre page là. Ok, un petit genre pas trop bon. Là, ça, je vais choisir l'autre position par rapport à l'autre. Etc. Etc. Ça, on va choisir de mettre dans l'autre position. Comme ça. Et non, ouais. Que me positionner image bien que n'est pas fini pas fait mais nous allons vous montrer exactement comment les déranger.
Jean que texte sont t'as dû paraître. Merci parce que tu es absolument non, merci parce que vous toujours été connecté avec nous. Et nous demandons aussi pourquoi abonner tout, capable de faire ça, dans le bouton rouge là, pour capable de jouer notre vidéo qui va venir. Songez à partager vidéo, à bye un like, et puis, nous attendons pour une autre vidéo. Bye bye.